Une bagarre qui t'a qu'à faire rail business Amazon, c'est là qui va vendre sur Amazon et vous par contre soit faire profit à soit faire profit. Ça c'est une bagarre qui t'a qu'à pire mauvais là qui vous démarre un business. Parce que chaque fois que vous faites un business, vous toujours à la recherche de yon profit. Mais plus souvent, vous joignez 80% jeunes qui vendent sur Amazon, yon avance sur site vraiment, mais vous par contre comment vous calculer profit. Ça fait que yon va vendre des produits, yon par contre si yon fait quoi, yon par contre si yon va faire quoi. Puis souvent, vous joignez un capteur comme ça, Amazon pas bon. Raison c'est parce que yon par contre comment vous calculer profit. Eh bien, dans la vidéo ça, nous venons ensemble avec yon méthode pour montrer comment vous calculer les profits sur Amazon de A jusqu'à Z. Donc, nous ne pouvons pas perdre un peu de temps, nous allons passer sur le computer et puis nous montrer comment on fait ça. Mais avant que nous montrions ça, l'important pour que nous disions, vous avez besoin de gagner un produit. Un produit pour qu'on ait qui peut acheter le produit et qui peut vendre le produit sur Amazon. Par rapport avec qui peut acheter et qui peut vendre sur Amazon, ça va permettre de baisser pour qu'on puisse calculer les profits. Et non seulement ça, nous allons tout montrer pour qu'on puisse quantité qui a vendu un produit ça 100% gratis. Ça veut dire, on prend une opportunité pour qu'on ait, est-ce qu'on fait comme dans le produit, et on prend une opportunité pour qu'on ait, qui quantité d'unité qui vend dans le produit ça chaque mois, pour qu'on ait, est-ce qu'on doit vendre le produit ça, ou bien on va devant le produit. Donc, nous allons passer sur le computer, et puis nous allons montrer comment on a fait ça. Là, nous passons sur le computer, mais pour que moi capable de montrer ça, puis bien, l'important pour montrer le produit que moi j'ai acheté sur Walmart, et ensuite, pour montrer le même produit ça, que moi j'ai acheté sur Walmart avec un prix, je montre que je vends le produit ça sur Amazon, et ensuite, je montre tout comment que moi j'ai calculé le profit, hein, pour que moi j'ai connu, est-ce que le produit ça bon pour moi, est-ce que le produit ça pas bon pour moi. Donc, nous passons, nous allons sur Walmart. Avant de faire un client avec vous, ça te montre sur Walmart. Donc, si on va d'ailleurs au café sur n'importe quel website, ça veut dire que ce n'est pas forcément Walmart seulement besoin. Il est capable n'importe quel website où tu as acheté produit ou bien n'importe quel autre agent produit. Même si tu as un store physique, c'est presque le même processus qu'on a besoin de suivre pour qu'il soit capable de faire ça. Ok? Sauf que je vais seulement prendre un exemple avec un produit que j'ai acheté sur Walmart et ensuite je montre comment ils m'ont fait calcul ou même prochaine fois, on va capable faire calcul avant même pour acheter produit. Ok, là, moi sur Walmart et produit ça, son produit que j'ai acheté, ça va gagner un peu de temps depuis que j'ai acheté. Ok? Ou après que j'ai acheté le 30 septembre, c'est mon produit qui était monté car j'ai joint une belle quantité là-dedans. C'est seulement 6 unités qui étaient pas moins là-dedans dans le moment parce qu'il n'y a pas de gain encore, il était gagné fini. Ok, sur le constat, après produit est venu pour 113 $ et après unité produit est venu à 18,88 $. Ça veut dire que j'ai dépensé environ 113 $ pour que j'ai acheté le produit ça sur Walmart pour que j'ai revendu sur Amazon. On regarde le prix produit à revendre sur Amazon dans le moment. Produit ça, là, vous constatez, après que, je dis là, ma précoce de vidéo, qui c'est 17, et après, je dis là, il y a un produit qui vend, et sur Amazon, vous constatez ça, ça a 4 de temps, et vous remarquez, aujourd'hui en 17, ça veut dire produit ça, il y a à peine 20. Et là, soit vous checkez, après que, produit ça, moins 20 pour 49 $ pour 99, ça veut dire timidement 50 $. Ok, ouais. Qu'est-ce que ça m'a fait pour que vous êtes capable de calculer le profit? Hein? Qu'est-ce que ça m'a fait pour me dire est-ce que le produit ça m'a fait profit sur lui? Est-ce que m'a pas fait profit sur lui? Eh bien, mais seulement ça a besoin de calculer le profit pour le produit. Ou a seulement besoin de gagner un signe produit hein? Et puis de gagner un signe au bout de soukou. De vous finir un signe, je vais vous montrer ce que je vais faire. N'a besoin d'ouvrir un nouveau table et puis de taper FBA. Revenue calculator. Ça, c'est une calculatrice qui Amazon mettait disponible pour tout le monde 100% gratis. Tenez bien, c'est une calculatrice qui Amazon mettait disponible pour tout le monde 100% gratis. Ou bien pour aller sur le lien, ça a premier lien, Fulfillment by Amazon FBA Revenue Calculator. Et puis, vous cliquez sur lui. Lorsque cliquez sur lui, la demande pour que vous capable sign in ensemble avec account ou n'importe account ou gain un moment qui connecté. Vous seulement cliquez sur lui pour sign in qui pas un problème. Et puis, lorsque vous avez sur lui, vous avez besoin de présenter comme ça. Ou qu'à faire sur téléphone et qu'on s'attend ou qu'à faire sur laptop. On a qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un essai nombre produit. Il y a différentes façons qu'on a un essai nombre produit. Bon, n'a capable, qu'est-ce qu'on va faire? M'a seulement retourné sur Amazon là, et puis m'a pris un essai là, qui pas un problème, m'a copié essai là. L'un fin copié essai, m'a retourné là, et puis m'a seulement mettez essai là, dans la calculatrice là. M'a seulement là, et puis boum, m'a cliqué là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un produit en guette à monter là. Sur les produits en monté, si produit en un moment, si un produit qui n'a pas box, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que Amazon a tout mettez prix en moins. N'a pas dit ça, nous gagnons des calculatrice qui est disponible. Nous avons Amazon Fulfillment et nous avons Your Fulfillment. Amazon Fulfillment, là, c'est là que vous avez maintenant l'espoir pour produire ça, vous avez Amazon, et bien, on doit utiliser partie calculatrice ça. Mais si par exemple, produit ça, vous finissez acheter, vous mettez dans l'espoir que produit, c'est au même cap ship livré par client, on capable d'utiliser et partie calculatrice ça. Bon, on capable moi-même plus me faire FBA, ça veut dire plus me faire produit par Amazon. Donc, so, on connaît c'est parti ça m'a utilisé. OK, qu'est-ce qu'on besoin de calculatrice? On pas besoin rien. Ça Amazon fait pour limiter tout prix, toute dépense qu'a gagné pour faire dans produit. Là, limiter frais qui c'est frais Amazon là qui c'est $7.50, frais ça y aurait le referral fee qui c'est un fee qui Amazon charge c'est ça y aurait les 15%.
OK? Que Amazon charge pour qu'il soit capable de préparer le produit, mettre le box et puis vous le client pour faire travailler ça la cali. Mais pour qu'il achète les boules, la mettre sur le produit, il charge un autre frais encore qui évalue avec 3,90$. 3,90$, ça, c'est fulfillment cost qui Amazon charge. Et ensuite, storage cost là, il coûte seulement 1 centime chaque mois. Ça veut dire, chaque mois, il a touché 1 centime sur vous pour qu'il y ait un produit à la caille. OK, qui n'est pas un problème. Là, ça, qui ça calcule ça fait pour vous? Lui-même, il fait tout calcul pour vous. Il dit dans l'esprit, si toutefois, vous vendez un produit ça pour 49,99$, gens qui ne sont pas dans ce vendre, so, on a absolument besoin qu'on ait à qui pour te acheter. Et nous, on descend en bas, dans la partie ça là, on descend pour arriver côté marqué cost of goods sold. So, l'on clique là, on est capable de mettre qui pour te acheter produit. Pas oublier, là, on a retiré, on a fait résultat pour un grand produit, nous mettons un grand produit là, et là, on est capable de mettre prix, noté acheter produit. Côté créé, premier cost là, là on capable mettre ça veut les frais divers, ça veut dire tifi qui ou payer pour que ou capable voyer produit dans Amazon ou bien ce sont tout capable utiliser un web center. Puis souvent moi même quand mettre client évalué avec 1,50$. OK, mettez 1,50$. Dans tendance comme si les m'envoyer produit dans Amazon compte toucher un petit comme légèrement pour que pour payer UPS et ensuite des fois, je vais utiliser un web center, des fois, je ne vais pas utiliser un web center, mais je vais toujours mettre 1,50$. Et là, je suis capable de mettre le prix que je vais acheter pour le produit. Le produit est venu pour 18,88$ et puis je vais mettre là aussi. Et ça va passer, là que je vais mettre le prix ça là, et puis je vais mettre le prix que je vais acheter pour le produit là, et bien là, il va moins résultat là. Après, net profit est évalué avec 17,87$. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque heure que je vends un grain de produit, je fais environ 17,87$. OK. On dit que si notre maximum d'acheter seulement 6 produits. Il va maximum d'acheter plus parce que nous tous qui c'est Amazon seller, nous déjà connaissons Walmart déjà. Walmart pas qu'on doit accès ou acheter un pile produit, puis souvent les gars accès ou acheter 6 ou bien 12 dans une qualité produit. Bon, nous d'acheter seulement 6 là, nous seulement mettre 6 là, et bien après 6 produits ça yo, l'aime fin vendre sur Amazon, m'a fait $107 pour fil là-dedans. Et produit par un produit qui prend un pile pour vendre, parce que tout produit me dans fin vendre net et malheureusement produit ça va exister sur Walmart encore parce que li out of stock. So on bosse ici ça ou capable faire un calcul avant même acheter produit. Les qui estimé qu'il va faire environ $17 pour fixer un grand produit, même si tu as fait environ $5 pour fixer un grand produit, ou tu dois acheter produit ça pour que ou capable revendre sur Amazon. Même si tu as fait $6, $7 jusqu'à $10, moi-même moi fais environ $17. Chaque fois mon grand produit, moi fais $17 bénéfice sur grand produit ça moi acheté sur Walmart pour $18, moi revends sur Amazon pour $49 timidement $50 et puis moi fais $17 sur. Donc parce que ça c'est une méthode qui vraiment simple ou pas besoin de tuer tête ou pas besoin de classer tête ou faire rien et les vraiment simple pour que vous capable faire en tant que ou produit en te vendre plus cher va montrer une grande bagarre en tant que ou produit en te vendre plus cher et puis en dit si produit en te vendre au moins $38 là ou t'as seulement gain pour mettre prix ou t'acheter produit si produit en te vendre sur la pour $38 et puis la vendre sur Amazon pour $49 là si on mettait $38.50 en exemple ou après là yo dit qui m'a perdu $11 ça veut dire calculatrice ça c'est une calculatrice qui est très 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 simple il pas trop compliqué quel que soit l'argent que vous mettez information là capable de donner qui nécessaire ou après il dit ah si m'acheter produit ça pour $38.60 et puis m'ta revendre produit ça pour $49.99 m'a perdu $11 et donc dans cas ça là m'pas besoin acheter produit ça ou bien pas mettre le bon seul grain produit m'a mis le bon sel grain produit m'a perdu $1.85 voilà mettez bon sel grain produit m'a perdu $1.85 mais cependant si m'achète produit ça pour au moins $30 m'devenir pour $49 en si m'achète produit pour $30 m'ta toujours fait environ $6 profit sur produit et $6 profit sur un produit sur Amazon yes il est vraiment bon parce que sous gain en pile dans produit ou gain possibilité pour faire un bon petit coup dans produit. OK, j'espère que vous comprenez comment vous faites calcul un produit avant même vous acheter. L'important, ce sont celles sur Amazon et vous voulez vendre sur Amazon pour tout bon. L'important pour que vous toujours fait calcul profil avant même que vous achetez un produit. En passant, nous c'est indiqué parce que vous regardez un pilote vidéo non et capable montrer comment que vous capable démarrer pour business sur Amazon sans difficulté. Et si toutefois vous avez des difficultés, vous avez des contacts avec nous. Les pas difficile, c'est 7426 5428 0660. Nous capable et d'avancer avec business. C'est un plaisir, on va croiser dans l'autre vidéo.